retour sur le plateau de ETV Service. Oui, et ce week-end, on vous fait bouger. Oui, sortez de chez vous. Mais après l'émission, on va passer un week-end en mode salsa. Oui, ça se passe au Moule. Et pour en parler, je reçois vraiment deux professionnels de la danse. Tout d'abord, je reçois Mina and Bibo. Comment ça va? Ça va bien, merci. J'aime bien parce qu'elle a le sourire, elle a le smile, c'est vivant. Franchement, déplacez-vous, allez au Moule ce week-end. Hein. Mais oui. Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va parler de ton domaine, on va parler du week-end. Mm-hmm. Bref, on va se faire plaisir. Moi, je suis prête. J'attends les questions. Elle est prête. Et bien sûr, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue, si je ne me trompe pas, avec son prof à la base, Idania Miranda Cruz. Bonjour. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo está usted? C'est tout ce que je sais dire. Ah, mais bon, c'est pas grave. J'étais très dissipé en cours d'espagnol, petit. Comment allez-vous, monsieur? Ça va. Écoutez, avec de tels sourires, je ne peux qu'aller bien. Franchement. Donc, on va parler déjà. Donc, de toi, déjà, mm-hmm. On va commencer. Donc, en fait, tu as un concept qui est assez exceptionnel et vraiment très, très, très intéressant. C'est-à-dire que tu mélanges le gros cas avec la danse afro-cubaine. Est-ce c'est que c'est bien ça? C'est bien ça. Pourquoi? Je pense que ça pourquoi prend bien pourquoi exactement? Why? Mais ouais, parce que je suis saint-anaise déjà. Ah, donc du coup, j'ai grandi aux côtés de Georges Troupé. Donc la famille okay. Kimball, Atelier Valette. Et depuis l'âge de 3 ans, je suis assise derrière un gros cas. Ah. Et je suis boula. Donc c'est dans le sang. C'est ça. C'est culturel. Je remercie mes parents d'ailleurs qui m'ont mise dans ça. Et une fois partie faire mes études en Alsace, mais forcément le gros cas, il ne tient pas dans la valise. Et je n'ai pas pu l'emmener avec moi. Pareil, en Alsace, j'en connaissais pas du tout ça. Et le seul repli que j'ai eu, ouais. C'est de trouver une association de danse. Et la seule qu'il y avait, c'était de la danse cubaine. Okay. Donc j'ai mis mon premier pied dans la danse cubaine. J'étais étudiante. Mais le gros cœur reste toujours ancré. Hein, c'est dans le cœur du Guadeloupéen. Et je trouvais intéressant de mêler les deux. Parce ouais. que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes. Et que ce soit le bel air en Martinique, ce qu'on trouve en Haïti, à Cuba, dans toutes les îles caribéennes, il y a une forte empreinte d'origine africaine. Okay. Et du coup, on ne s'en rend pas compte parce que chacun reste un peu dans sa culture et dans son patrimoine, sans forcément mélanger les deux. Mmh. Et le fait d'avoir vu cette similitude, je me suis dit, ça il faut faire quelque chose. Il faut travailler. Mais oui. Et du coup, le concept a été lancé comme ça. Okay. Et la première année, c'était 2018. où j'ai lancé une résidence d'artistes. Donc j'ai choisi des danseurs, des musiciens, parce que du coup c'est mon domaine aussi. Ouais. Et puis on a créé une pièce, un spectacle vivant, donc okay. show, des workshops à présenter pour la première fois à un festival au Bénin. Okay, donc ça d'accord. c'était la première expérience. On a fait fort, on n'est pas parti en Guadeloupe, on est parti au Bénin. Et puis là cette année j'ai eu la chance d'être invitée au Festival Cubano de Guadeloupe. Ouais. Donc je suis sur mon territoire pour présenter ce même concept. C'est magnifique. Mmh. Et justement quoi Miranda Cruz, t'as aidé justement, parce que je crois que tu as vu justement à La Havane, oui, c'est un petit peu le berceau, c'est voilà, c'est... Et en quoi justement elle t'a aidé dans ton parcours, je dirais, d'artiste? Idania m'a formé, sincèrement c'est une très bonne prof, merci beaucoup, elle m'a ouvert les portes du Conjunto Folclórico National, je prononce bien? Oui, c'est ça. Conjunto Folclórico National de La Havane, où j'ai pu passer 15 jours okay. en formation, donc ils voient quasiment toutes les danses du folklore cubain. On parle de salsa, mais il n'y a pas que ça, je pense que Idania pourra l'expliquer mieux que moi, mais ouais. le folklore cubain est ultra riche. Et du coup, ça nous permet d'en apprendre davantage quoi, sur les rythmes, les chants, parce qu'on okay. fait tout ça. Hein. On nous dit cours de danse, mais en fait, non. Hein. On arrive le matin, si tu te mets là, tu chantes. Hein. Si tu ne connais pas le chant, si tu n'arrives pas à reconnaître le rythme sur les tambours bata, ils ont des tambours bata à Cuba. Ouais. Mais du coup, tu ne danses pas. Hein. Eh ben, on va demander d'aller. Voilà. Donc, il faut chanter avant de danser, avant de danser. Voilà, c'est vraiment notre culture qui est comme ça. Hein. D'accord. Voilà, il faut chanter pour profiter bien toute la richesse de la culture. Il faut chanter, ouais. il faut danser, il faut accompagner les musiciens, il faut faire tout comme il faut, mais avec les pas. Ça, nous sommes oubliés à Cuba, nous sommes oubliés surtout dans la culture Yoruba, ouais. qui vient de Niger. Okay. Voilà, nous sommes oubliés parce qu'ils font ça comme ça. On chante, on danse, on joue. Ouais.
tout ensemble. Ah, le Minga ici aussi, c'est un petit peu comme ça. Ouais, c'est un peu voilà, comme ça, comme Woka, c'est Woka. Oui, voilà. Woka, ouais. Parfois, comme on aime bien la roupiéton. Ouais. Hey, bien sûr. J'aime bien, et c'est pour ça parce que je trouve la richesse de la Caraïbe, ouais, et la similitude de ma culture aussi. Ok. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que, bon, à Cuba, c'est vraiment, nous sommes riches, parce qu'on a beaucoup, on a des influences aussi françaises, ouais, attention, ah, chinois, on a tout. Ah ouais, tout est regroupé. Tout est regroupé, c'est ça, c'est pour ça que, bon, nous les Cubains, on a la possibilité de faire tout comme il faut. Voilà, et Mina, et là, je suis très contente avec elle parce qu'on a travaillé vraiment pour qu'elle réussisse son stage à Cuba. Okay. Et ça va aller. Je la félicite toujours. Et toujours, elle a mon corps. Je suis là. Heureusement, je suis en Guadeloupe pour l'instant. Et voilà. Je ne peux pas beaucoup de choses. Il faut aller au cours d'Idania, là, sur tout le week-end, au moins. Elle va présenter des danses et des richesses. Voilà, des danses afro-cubaines, voilà, son cubaine. La danse afro-cubaine, surtout, ouais, parce que c'est mon spécialité à Cuba. Et elle a parlé de la compagnie nationale de La Havane. C'est pas la compagnie nationale de La Havane, c'est la compagnie nationale de Cuba. En plus, oui. C'est pas une petite compagnie, c'est une grosse compagnie qu'on a et que toujours on se bat, ouais, pour conserver la culture. Et voilà, ça c'est les. Et cette fois encore, je remercie à Alcel, Mina et tous les gens d'ici, de la Guadeloupe, à la Guadeloupe. Eh oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir de recevoir. En plus, on adore tout ce qui est afro-cubain. Franchement, salsa, reggaeton, c'est notre truc ici. Oui, c'est ça. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver durant le week-end? Donc, je pense que ça commence donc le 22, le vendredi 22. Vendredi, oui. Et ça va durer tout le week-end, les amis. Le samedi 23, le dimanche 24, ça sera la fête au monde. Il y aura de la salsa, de l'animation de la vie. Oui, exact, est-ce que c'est gratuit? Certaines animations sont gratuites. Donc là, pour la première fois en Guadeloupe, ils ont installé un village cubain, okay, qui va démarrer le samedi. Donc là, je pense que c'est une très belle initiative. Donc il y aura à manger cubain, des animations, des cours gratuits via les associations, et notamment Paso Latino, des artistes, des artisans, des expositions photos. Donc il y a vraiment tout un village organisé autour de ça. Okay. Les gens pourront venir tester les cours. Le festival commence ce vendredi déjà avec les masterclass de monsieur Rolly Madden. Oh, et c'est pas n'importe qui. Est-ce que tu peux justement nous présenter ce monsieur, parce que c'est vraiment pas n'importe qui. Vous aurez du très très lourd, on s'en rend pas compte comme ça, mais il y aura déjà deux gros invités de marque. Donc le premier que tu viens de nommer, Rolly Madden, oui, qui a intégré le festival dans son tour international. J'ai oublié le nom, je vais pas le mentionner, mais voilà, il sera avec nous pour 2 heures de masterclass dès vendredi, ouais, avant la soirée prestige, la soirée d'ouverture qui va se passer à l'Acropole. Au okay. Moule. Deuxième pointure, Yannette Fuentes. Je ne sais pas si je prononce correctement. C'est Yannette Fuentes. C'est bien ça. Moi, t'inquiète pas, j'ai la prononciation. Ah bon, ça va, certaine. Donc, okay, Yannette Fuentes, on rappelle qu'elle est chorégraphe donc, de Rihanna, Shakira, tout ce qui se termine en A. Enfin bref, franchement, elle est connue dans l'univers vraiment de la danse reggaeton et afro-cubaine aussi. C'est vraiment, franchement, c'est une pointure dans son domaine. Mm-hmm. Et bien sûr, ces deux personnalités seront donc en Guadeloupe, au Moule, pendant tout un week-end. Vous aurez l'occasion de partager, de danser, d'apprendre en mode Cuba, Havana, oui. Et on aura bien sûr donc du local avec Mina Mbibo qui est là, ici présente. Donc si je ne me trompe pas, tu donnes aussi des cours ici en Guadeloupe. Oui. C'est bien ça, donc tu as mélangé les deux, on l'a dit au début de l'interview. Gros cas et danse afro-cubaine. Exact. Et ce qui est bien avec toi, c'est que pendant tes cours, il n'y a pas de clé MP3. Non, mesdames et messieurs, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent pour acheter la clé MP3. Non. C'est parce qu'elle préfère donner ses cours avec de vrais musiciens. Oui, oui. De vrais morceaux de musiciens dedans. Mais donc, oui. Explique-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que ça claque, en fait. Excusez-moi l'expression, mais ouais, ça claque. Non, la vraie raison, ouais, c'est que quand j'ai mis le pied dans ce monde-là et que j'ai commencé à faire les festivals cubains, il y avait à chaque fois une brochette de percussionnistes dans la salle.
Et puis ça résonne, ça emporte, ça nous permet d'être réellement dans le bain. Et je me suis dit, non, si je lance un truc en Guadeloupe, il faut vraiment qu'il y ait ça. Faut vraiment qu'il y ait ça. Et le parallèle était le même. Pour les cours de Groka, il y a toujours les percussionnistes avec. Ouais. Et là, le rendu n'est pas le même. On n'entraîne pas les gens de la même manière. Okay. Et là, pour ce festival, en exclusivité, donc j'ai lancé encore une résidence d'artistes. C'est ma spécialité. Donc j'aurai avec moi Jenna Legros, okay, qui est partie de Marona Harmony, Kimball, invitée de Dominique Coco souvent. Donc elle a créé la pièce. D'accord. J'aurai Lázaro Collado, okay, qui est cubain de La Havane et qui œuvre beaucoup ici. Il commence à faire partie de nombreux groupes. Ouais. Et c'est celui qui m'a suivi dès le départ. C'est la touche cubaine de mon concept. Okay. Ma sœur et Jenna Legros, c'est la touche guadeloupéenne, plus moi. Donc ils fusionnent bien la musique tous les deux. Et puis on a créé une chorégraphie avec Ludovic Biberon. Okay. Donc voilà, qui sera en guest ce vendredi. Donc n'hésitez pas à venir à l'Acropole à partir de 21h. Et à côté de ça, on aura aussi la présence de Émeric Laguerre et Andy Jean-François, qu'on connaît aux côtés de Jenny Paulin, pour ceux qui suivent un peu. Donc voilà, ça fait une super. Mais il y a plein de personnalités, mais attends, c'est vraiment très intéressant. Ça top. Et pour terminer, donc, il y a la participation de la Couvéranda, qui est une association 100% Groka sur Sainte-Anne, avec des jeunes, et ça c'est important pour moi, pour la partie transmission en fait. Tout à fait, voilà. C'est bien parce qu'en Guadeloupe, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais en Guadeloupe, il y a un amour vraiment, c'est passionnel. C'est entre, franchement, la culture de Cuba, tout ce qui est salsa, afro-cubain, on aime ça ici. Donc franchement, encore une fois, on rappelle, le week-end, le 22, le 23, le 24, direction Le Moule. Total, il y aura des villages, des professionnels, de la danse, il y aura manger, il y aura tout. Et c'est gratuit. Enfin, pas tout, mais c'est gratuit. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette culture, je dirais, afro-cubaine? Bon, la culture afro-cubaine, c'est maintenant qu'elle s'installe vraiment partout, parce que finalement, les salseros cubains et les salseros internationaux, ils essayent de mettre dedans, sous la salsa, la culture afro-cubaine. Okay. Pourquoi? Ça les porte, ça les donne beaucoup d'énergie, ça les donne beaucoup d'indépendance corporelle. Ouais. Et voilà, c'est la richesse de danser la salsa cubaine comme il faut. Parce que la salsa cubaine, comme aujourd'hui on le dit, salsa cubaine, mais c'est pas salsa cubaine, c'est casino. Voilà. Casino. C'est casino. C'est casino, c'est pas la salsa, c'est le nom commercial. Okay, on peut dire ça. Okay. Mais le nom traditionnel, vraiment de la danse, c'est casino. D'accord. Parce que il est né dans les casinos. Okay. Avant la révolution, avant le triomphe de la révolution à Cuba, les gens dansaient au casino. Avant, danser cha-cha-cha, mambo cha-cha-cha, et c'est après qu'est apparu le casino. Il s'appelle casino parce que c'est dans le casino, c'est le casino que c'est commencé à danser ça. Et voilà, et aujourd'hui, comme tout va entre transformation, je peux dire ça, constante transformation. Exactement. Il y a voilà, l'évolution de la danse. Ouais. Aujourd'hui, on peut mettre à la salsa cubaine tous les pas de la religion yoruba, on va dire de la culture yoruba, à Cuba. Okay. Et c'est pour ça que les gens se demandent pourquoi les Cubains dansent comme ça. Non, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est la culture afro-cubaine qui est dedans. Et c'est pour ça que, voilà, la salsa casino cubain, casino cubain, c'est danse comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est la salsa, c'est le sauce, c'est son sauce. Il y a tout, ouais. Yoruba, rumba, mambo, cha-cha-cha. Avec la musique de salsa ou la timba cubain, on peut danser tout. Ok. On peut faire tous les pas. Yoruba, et danse populaire traditionnelle, Congo. Okay. Haïtien, okay. Woka, oh, on embrasse tout. On peut mettre tout à l'intérieur. Voilà, c'est la richesse de la salsa aujourd'hui. Excellent. Donc encore une fois, on rabâche. On vous rappelle, c'est ce week-end. Ça commence déjà ce vendredi 22. Donc n'hésitez pas, sortez, bougez. Moi, elle m'a emmené du soleil sur le plateau. C'est extraordinaire. Donc si on veut déjà prendre des cours de ce mélange de Groka,
Mais oui. Et de danse afro-cubaine. Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que oui, tu as Facebook ou un site internet ou même un YouTube? Dis-nous tout. Lâche. Il y a une page Facebook, page pro qui s'appelle Mila and Vevo. Ouais. Et pareil pour la chaîne YouTube où il y a déjà quelques teasers de tout ce que j'ai pu faire en mix. Hein. Donc on parlait du groka et de l'afro-cubain. Mm-hmm. Parti au Bénin, on a pu mélanger la danse traditionnelle béninoise au groka et aussi à l'afro-cubain. Donc okay. Il y a tout ça sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Pour le traditionnel afro-cubain avec Ida Alia et merci. Toutes les pointières qui sont invitées. On aura salsa hip-hop avec Juliette et Ned qui sont okay. invitées aussi. Salsa con afro avec Jimmy, Jack et sa partenaire Mylène. Moi avec le gros K et Ronnie Madden et Yannette pour 100% cubain. Oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a tout dans ce week-end. Le week-end, il est complet, complet comme un bokit. Est-ce que Idania, est-ce qu'il y a Facebook? Est-ce qu'il y a Twitter, Instagram, si on veut vous suivre, si on veut prendre des cours? Oui, j'ai Facebook, okay. Et Instagram aussi, Idania Miranda Cruz. Et voilà, vous pouvez voir toutes mes demandes comme prof de danse, parce que ici je donne le cours de folklore aussi. Okay, les gens à la Guadeloupe commencent à s'intéresser à la raïs afro-cubaine. Ouais. Et ça, je suis heureuse de pouvoir faire ça ici à la Guadeloupe. La rumba aussi. On a commencé avec la rumba et voilà, aujourd'hui, les salseros de la Guadeloupe dansent avec la rumba et voilà. Mais je suis toujours ici à Petit Bout. Okay. C'est à Petit Bout que je donne le cours de rumba et folklore afro-cubain. Voilà, vous avez tout. Et elle va vous apprendre, elle va même vous apprendre à voyager à Havane. Comme Mina. Mina est bébé. Qui veut dire un bébé, ça veut dire en live. En live. Voilà. Tout se suit, tout est lié, bien sûr. Un bibo, parce que ça s'écrit vivo, parce qu'en espagnol, le V se prononce. Oui, je n'ai retenu que ça. En tout cas, mesdames, merci d'être passées sur le plateau. On se retrouve bien sûr au Moule ce week-end avec votre énergie, votre pêche, votre soleil, le gros cas, l'afro-cubain. Bien sûr, ça se passe au Moule. Moi, je tiens à remercier bien sûr mes partenaires, les Créa Bastia qui m'habillent. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire votre lessive, direction Le Moule, Net Blanchisserie. Mesdames, merci encore. Comment merci. On dit au revoir déjà Hasta la prossima. Hasta la prossima. Ciao, ciao. Hey, merci. Donc moi, je vous dis hasta mañana. Hasta mañana, muy bien. Bien sûr, je contrôle. Très bien. À demain, bien sûr, pour un nouvel épisode de ETV, service sur ETV. À demain.